Bonjour, dans cette vidéo, on va voir trois méthodes pour démarrer en mode sans échec sur Windows 11. C'est parti. Pour les trois méthodes que l'on va voir pour redémarrer en mode sans échec, il y en aura deux soft et une un peu hard parce qu'elle peut abîmer votre matériel. La troisième est vraiment à faire que si vous n'avez pas le choix. On va passer par le mode de récupération pour ensuite redémarrer en mode sans échec. Allez, ça se passe sur le PC. La première solution va être de faire un clic droit sur l'icône Windows en bas à gauche de votre écran, puis paramètres. Dans système, on va descendre jusqu'à récupération. Puis on va redescendre jusqu'à démarrage avancé, redémarrer maintenant. Là, on a Veuillez patienter à l'écran. Ici, on va dans Dépannage, Options avancées, Paramètres, changer le comportement de Windows au démarrage. Et là, on a donc 4, activer le mode sans échec, ou 5, activer le mode sans échec avec prise en charge réseau. Voilà pour la première méthode. La deuxième méthode pour redémarrer en mode sans échec, toujours à partir du bureau, il suffit ici de faire arrêter, sur le bouton arrêter. Avant de cliquer sur redémarrer, on va maintenir la touche Shift gauche appuyée et on fait redémarrer. Faut pas relâcher la touche le temps du redémarrage. Et là, on a notre veuillez patienter. Et ensuite, comme tout à l'heure, dépannage, options avancées, paramètres. Et nous voilà sur notre menu de démarrage, donc là, 4 ou 5. La troisième méthode est bien plus brutale. Je vous déconseille vivement de la faire si vous n'avez pas d'autre choix. En gros, parce que ça abîme le matériel, surtout votre disque dur. Dès que vous voyez les boules tourner, vous restez appuyé sur le bouton d'extinction. Une fois, on rallume. On rallume. Et là, au bout de la troisième fois, il nous prépare la réparation automatique. J'insiste, cette méthode, elle est vraiment à faire en cas de plantage complet du PC, parce que si votre disque est déjà un peu fatigué, il va pas du tout aimer les... les arrêts brutaux. Là, on va dans Options avancées, et on se retrouve ici sur notre menu. Toujours paramètres, changer de comportement de Windows, redémarrer. Voilà pour ces trois méthodes pour redémarrer en mode sans échec. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt!